La Cour, the court. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux que vous ayez pu vous joindre à nous pour souhaiter officiellement la bienvenue à notre distingué nouveau collègue, M. le juge Nicolas Cazirère. We are honored to have with us today the Honorable David Lametti, Minister of Justice and Attorney General of Canada, l'honorable Sonia Lebel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Ms. Salmon, President of the Canadian Bar Association, Maître Paul-Mathieu Grondin, bâtonnier du Barreau du Québec, Mr. Ross F. Earnshaw, President of the Federation of Law Societies of Canada, and Mr. J. Scott Maidment, President of the Advocates Society. Nous avons également le plaisir de compter parmi nous quelques anciens collègues de la Cour suprême du Canada. L'honorable Michel Bastarache, the Honorable Ian Binney and his spouse, Mrs. Susan Binney, l'honorable Louis Lebel et sa conjointe, Maître Louise Poudrier-Lebel, l'honorable Marie Deschamps et son conjoint, Monsieur Paul Gobeil, l'honorable Louise Charon, l'honorable Clément Gascon et sa conjointe, l'honorable Marie-Michel Lavigne. We also welcome the many Chief Justices and distinguished members of the judiciary and guests from across the country who have joined us for this special occasion. A special welcome must be addressed, of course, to Justice Cazirère's family and friends, in particular, Justice Cazirère's spouse, Jane Mappin, and their children, Benjamin, Antonia, and Olivia, are here with us today. Bienvenue dans la grande famille de la Cour suprême du Canada. Monsieur le registraire, je vous inviterai maintenant à lire la commission sous le grand sceau du Canada dans les deux langues officielles, attestant de la nomination de l'honorable juge Nicolas Cazirère à titre de juge puné de la Cour suprême du Canada. Merci, Monsieur le juge en chef. Bonjour, membres de la Cour. Canada, Élisabeth II, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la foi, à l'honorable Nicolas P. Cazirère, juge de la Cour d'appel du Québec, salut. En raison de notre confiance particulière en votre loyauté, en votre intégrité et en vos capacités, nous, sur et avec la vie de notre Conseil privé pour le Canada, vous constituons et nommons, vous, Nicolas P. Cazirère, juge de la Cour suprême du Canada. À titre de juge de la Cour suprême du Canada, vous, Nicolas P. Cazirère, jouirez désormais, à titre inamovible, de tous les pouvoirs, droits, prérogatives, bénéfices, émoluments et avantages attachés de droit et de par la loi à cette charge, à compter du 16e jour de septembre de l'an de grâce 2019. En foi de quoi nous avons fait délivrer nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin, notre très fidèle et bien-aimée Julie Payette, chancelière et compagnon principal de notre Ordre du Canada, chancelière et commandeur de notre Ordre du Mérite militaire, chancelière et commandeur de notre Ordre du Mérite des corps policiers, gouverneur général et commandante en chef du Canada. À notre hôtel du gouvernement, en notre ville d'Ottawa, ce 21e jour d'octobre de l'an de grâce 2019, 68e de notre règne. Par ordre, registraire général du Canada et procureur général du Canada.
Canada, Elizabeth II, by the grace of God and the United Kingdom, Canada and her other realms and territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith, to the Honorable Nicholas P. Cazirère, a puny judge of the Court of Appeal of Quebec, greeting. Know you that, reposing special trust and confidence in your loyalty, integrity, and ability, we, by and with the advice of our Privy Council for Canada, do hereby constitute and appoint you, Nicholas P. Cazirère, a puny judge of the Supreme Court of Canada, to have, hold, exercise, and enjoy the office of a puny judge of the Supreme Court of Canada, unto you, Nicholas P. Cazirère, with all the powers, rights, authority, privileges, profits, emoluments, and advantages unto that office of right and by law appertaining during your good behavior, effective the 16th day of September in the year of our Lord, 2019. In testimony whereof, we have caused these, our letters, to be made patent, and the Great Seal of Canada to be hereunto affixed. Witness, our right trusty and well-beloved Julie Payette, Chancellor and Principal Companion of our Order of Canada, Chancellor and Commander of our Order of Military Merit, Chancellor and Commander of our Order of Merit of the Police Forces, Governor General and Commander-in-Chief of Canada. At our Government House in our City of Ottawa, this 21st day of October, in the year of our Lord, 2019, and in the 68th year of our reign. By command, Registrar General of Canada and Attorney General of Canada. Merci, Monsieur le Registraire. J'inviterai maintenant le juge Cazirère à rejoindre le Registraire pour la signature du registre de la Cour. Merci bien. While the purpose of this ceremony is to officially welcome Justice Cazirère to the court, perhaps it is more accurate to say we are welcoming him back. As some of you may know, Justice Cazirère worked here as a law clerk some 30 years ago. The court was a different place then, with half as many staff, an oral hearing for every leave application, and 23-month wait for appeals to be heard, compared to 6 months today. Pas étonnant que le juge Cazirère ait choisi l'enseignement à l'époque. Il va de soi que nous sommes ravis qu'il nous revienne après avoir fait une brillante carrière, tant dans le domaine universitaire qu'au sein de la magistrature. C'est donc un grand honneur pour moi de le féliciter et de lui souhaiter la bienvenue, cette fois-ci en tant que juge puni de la Cour suprême. Il faut savoir que même si ce n'est qu'aujourd'hui que nous soulignons officiellement l'arrivée du juge Cazirère, celui-ci siège à la Cour depuis quelques semaines déjà. À peine une semaine après son assermentation, le 16 septembre dernier, le juge Cazirère entendait sa première cause, non pas ici à Ottawa, mais bien à Winnipeg. Les audiences de la Cour à Winnipeg furent historiques. Le juge Cazirère aura donc, à sa manière, déjà marqué l'histoire de la Cour, en amorçant sa carrière ici en étant le premier nouveau juge à siéger à l'extérieur d'Ottawa. Nous avons eu depuis deux pleines semaines d'audience en octobre, et après-demain, on continue avec une nouvelle série de causes.
Bref, on tient notre nouvelle recrue bien occupée. On and off the bench, Justice Cassirer has already impressed upon us his deep sense of collegiality, devotion, and pride in his work. And he personifies the bilingual and bidural foundations of our institution. It is obvious that he is already a fantastic addition to this bench. My colleagues could not agree more. For instance, one shared with me just last week, and I quote, "He's a natural. It already feels as if he's been one of the Supremes for years." Another colleague expressed his first impressions as follows. "Nick has impressed me by his depth of reflection on the appeal before us. His contributions to our post-hearing conferences begin with a searching and comprehensive examination of all sides of an issue, followed by a careful account of his inclinations for disposing of the appeal. Canadians can be assured that the formidable skills and intellect of this principled, prudent, and diligent jurist are being brought to bear upon the difficult questions that come before us." Unquote. Yet, another colleague had this to say, and I quote, "Since joining the court, Justice Cassirer has quickly established himself as an academic with his feet firmly planted on the ground, a rare but much sought-after commodity, indeed. And he is a fine and decent human being as one could ever hope to meet. These are but a few of the qualities that Justice Cassirer brings to his new role. He is destined to serve the court and the people of this country with great honor and distinction." Unquote. La Cour est donc unanime. Le juge Cassirer saura enrichir notre travail, étant ses collègues que les Canadiens et Canadiennes bénéficieront de ses grandes qualités intellectuelles et humaines. Pour ma part, je tiens à dire quelques mots au sujet du parcours de notre nouveau collègue. Dès ses débuts, le juge Cassirer s'intéresse aux langues et aux traditions juridiques qui animent notre cours. Diplômé d'un baccalauréat en arts de l'Université de Toronto, le juge Cassirer entame ensuite ses études en droit civil et en common law à l'Université McGill. Il poursuit ses études à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où il obtient un diplôme d'études approfondies en droit international public. C'est alors qu'il se joint pour la première fois à la Cour suprême, à titre d'auxiliaire juridique au sein du cabinet de l'honorable Jean Betz, lequel aura été pour lui un modèle. Depuis son passage à la Cour comme auxiliaire n'aura pas été d'ordre strictement professionnel. On raconte que c'est sur les marches de cet édifice même que Nicolas aurait demandé à Jane de l'épouser. Upon returning to Montreal, Justice Cassirer embarked upon a 20-year teaching career at McGill's Faculty of Law, notably serving as dean of the faculty from 2003 to 2009. He taught both common law and civil law approaches to a number of legal fields, earning among his many accolades the John W. Durnford Award for Excellence in Teaching. A prolific writer, Justice Cassirer has authored over 100 publications spanning the areas of civil law, comparative law, and jurilinguistics. Justice Cassirer's commitment to Canada's legal traditions is readily apparent from his work outside the classroom as well. He was director of the Quebec Research Center for Private and Comparative Law from 1996 to 2003, and has been a member of the International Academy of Comparative Law since 2006. During these years, he worked closely with the late Professor Paul-André Crépeau, a mentor to him, and indeed a close friend. This connection to Professor Crépeau is particularly close to my heart, as my late father was also a friend of Professor Crépeau, and while Minister of Justice, he appointed him as chair of the Office de Révision du Code Civil du Québec. It is
a small world indeed. En 2009, le juge Cassirère a été nommé à la Cour d'appel du Québec. Il y a passé une décennie, au cours de laquelle il s'est démarqué par la clarté et la richesse de ses décisions. Quelle que soit la nature de la cause, les motifs du juge Cassirère témoignent d'une fine connaissance du droit. Ayant moi-même eu le privilège de siéger avec lui alors que j'étais à la Cour d'appel, je n'ai aucun doute que le juge Cassirère saura mettre ses talents au profit de la Cour et de la population canadienne qu'elle dessert. Je peux témoigner aussi de son souci pour la préservation du savoir juridique, ayant fait sa connaissance pour la première fois à titre de bâtonnier de Montréal. Alors professeur à la Faculté de droit de McGill, le juge Cassirère a consacré de son temps au profit du comité sur la bibliothèque du barreau de Montréal, dont les travaux ont contribué éventuellement à l'une des réalisations les plus marquantes sur l'accès à l'information juridique au Québec, soit la création du CAIJ. A true Renaissance man, Justice Cassirère's interests and talents far exceed the area of law. On discerne chez lui un intérêt artistique certain. Il a été membre du comité d'acquisition d'art ancien du Musée des beaux-arts du Québec et du comité des œuvres d'art à la Cour d'appel du Québec. Il ne faudrait pas s'étonner de constater un jour que le cabinet du juge Cassirère devienne en partie un bureau et en partie une galerie d'art. Au nom de mes collègues et de moi-même, félicitations et bienvenue, Monsieur le juge Cassirère. Je me permets également de féliciter et de transmettre mes meilleurs vœux à vos amis et aux membres de votre famille qui sont présents en si grand nombre aujourd'hui afin de souligner le début de ce nouveau chapitre de votre vie. Votre appui et votre soutien lui seront précieux, sachant que le travail de juge est certes stimulant, mais également très exigeant, d'où l'importance de maintenir un sain équilibre avec famille et amis. Maintenant, je demanderai à l'honorable David Lamery, ministre de la Justice et procureur général du Canada, de nous adresser la parole. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le juge chef Wagner. Mesdames et messieurs les juges, la famille Cassirère, invités distingués. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour souhaiter formellement la bienvenue à l'honorable juge Nicolas Cassirère au sein de la Cour suprême du Canada. J'aimerais aussi, du même coup, profiter de l'occasion pour remercier à nouveau l'honorable juge Clément Gascon de sa contribution à la Cour et souligner le courage dont il a fait preuve tout au long de sa carrière. It is with a certain degree of pride that we can say that Canada's justice system is recognized as being among the best in the world, and the Supreme Court of Canada is one of our most renowned and revered institutions. Being named to the court is both a tremendous achievement and a unique responsibility. It requires judges with integrity, exceptional legal knowledge, and an understanding of how their decisions will affect Canadians. Justice Cassirère possesses all of these attributes and more. He is highly regarded for his dedication and his collegiality, and I can certainly attest to this. Comme plusieurs d'entre vous le savent, le juge Cassirère et moi partageons la même alma mater. Nous avons tous deux enseigné le droit à l'Université McGill. En effet, le même cours de droit des biens en droit civil pendant plusieurs années. Puis le juge Cassirère est devenu doyen de la faculté en 2003 et en 2008, j'ai été son vice-doyen à l'enseignement. It is also appropriate that I recall, Justice Cassirère, that I believe the first time we ever met was in this building when you were clerking for Justice Betts and I was coming through for my interviews. Let me say on a personal note, excuse me, for those of us in the room that have watched your progress from a self-avowed judicial monk, iconoclastically exploring law's au-delà,
to an intellectual and administrative leader within the faculty, and then to a great career on the bench. Our sincere congratulations. In a familiar word, bravo. Justice Kassira joins the Supreme Court at a time when it is looking for ways to be more accessible to Canadians. And under Chief Justice Wagner's leadership, the court is taking steps to reach out to Canadians and help them to better understand the court's role in interpreting our laws. I am confident that Justice Kassira will help advance these efforts. J'aimerais mentionner que la nomination du juge Casiraire à la Cour est historique, puisqu'elle constitue la première nomination d'un juge du Québec en vertu du protocole d'entente entre les gouvernements du Canada et du Québec. Cet accord veille à ce que le Québec aille une voix forte lors de la nomination de juges du Québec à la Cour et que ses traditions et ses valeurs juridiques soient prises en compte de manière appropriée. À bien des égards, Monsieur le juge Casiraire, vous incarnez les traditions bilingues, bijuridiques et biculturelles qui définissent le caractère juridique du Canada et de la Cour suprême. Ainsi, il convient que vous soyez le premier juge nommé en vertu de ce nouveau processus. En effet, le juge Casiraire a consacré sa carrière au maintien des valeurs de bilinguisme et de bijuridisme. Il est passionné par l'utilisation du français dans notre système juridique et louangé pour son expertise en droit civil et en common law. But he has also ensured, as a law professor and indeed as a litigant in front of this court, that the English language version of the Code civil du Québec is equal in all manner to its French language articulation. Cette passion s'est reflété dans tous les aspects de son travail, y compris comme professeur et doyen de la faculté de droit de l'Université McGill, comme mentionné précédemment, puis comme juge à la Cour d'appel du Québec pendant une décennie. Justice Kassira has produced an impressive body of work on the relationship between languages and the law, and between civil and common law. This includes a clever dialogue on the challenges and benefits of bilingual statutory interpretation, entitled, What is Vie Commune? Qu'est-ce que Living Together? His sustained commitment to strengthening Canada's bilingual traditions is evident in his work at what is now called the Crépeau Centre for Private and Comparative Law at McGill, as both a former director and current board member. Under Justice Kassira's leadership, the centre has made important contributions to promoting and developing civil law in Canada to ensure it thrives alongside Canada's common law traditions. Justice Kassira is also deeply committed to family and child law, particularly in how the law treats the economic situation of married women. His 2014 judgment in Droit de la Famille 14175 sets an important and progressive precedent on how courts assess the obligations of spousal support. They must consider the time spent without employment by the spouse, who was the homemaker, for example, or the effort required to care for the children. This is but one example, among many, of his determination to strengthen family law over the last three decades. And the same can be said about civil law generally, and civil law property in particular, and every other subject to which Justice Kassira has laid his intellect. Je me rappelle que le juge Casiraire a écrit un texte sur le poème « The Dance is One » de Frank Scott, utilisant le poème de Scott à propos d'une danse avec son épouse comme métaphore de l'obligation de faire vie commune prévue dans le Code civil. Monsieur le juge Casiraire, inspiré par votre écriture et aussi par votre vie, je conclurai que vous êtes hautement qualifié pour assumer le rôle du chorégraphe de la danse des traditions juridiques du Canada. Je suis convaincu que vous apporterez une contribution exceptionnelle au Canada et à la Cour suprême. Félicitations pour votre nomination.
Merci, Monsieur le ministre. J'inviterai maintenant l'honorable Sonia Labelle, ministre de la Justice et procureure générale du Québec, à prendre la parole. Madame la ministre. Monsieur le juge en chef, messieurs, madame les juges, distingués invités, c'est particulièrement un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui, surtout que la dernière fois que j'ai eu l'occasion de m'adresser à cette honorable cour, j'ai perdu 4-3. Alors, j'espère rétablir mon karma aujourd'hui. Si vous me permettez, Monsieur le juge Cazirère, j'aimerais que mes premiers mots aient quand même à Monsieur le juge Clément Gascon, et je me permettrai de le remercier pour le travail qu'il a accompli au sein de cette honorable cour. Le juge Gascon est un éminent juriste dont l'intégrité et la sagesse sont respectées de tous, et nous lui souhaitons nos meilleurs vœux. Nous soulignons aujourd'hui l'accession d'un autre éminent juriste, M. le juge Nicolas Cazirère, à la Cour suprême du Canada. Il s'agit d'un événement solennel et historique. Les juges qui siègent à la Cour suprême ont de lourdes responsabilités. J'en suis convaincue, personne ici ne prend cette responsabilité à la légère. Dans le cadre de votre mandat, Monsieur le juge, en toute indépendance et impartialité, vous aurez à réfléchir et à répondre à des questions importantes sur nos droits fondamentaux. Le partage des compétences législatives, le droit des Autochtones et, de manière générale, sur la protection des principes qui sont à la base de notre État de droit. Par ailleurs, vous aborderez les défis que présente la cohabitation au Canada des systèmes de droit civil et de common law, qui se doivent d'entretenir des rapports harmonieux et qui respectent leurs particularités. Le Québec n'aurait pas pu espérer meilleur juge à la Cour suprême. Votre carrière vous a préparé à remplir cette fonction. Après votre diplôme en droit à l'Université McGill et votre diplôme d'études approfondies à Paris, vous servez pour la première fois à la Cour suprême du Canada comme auxiliaire auprès de l'honorable juge Jean Betz. Admis au barreau du Québec en 1987, vous enseignez le droit civil et la common law à l'Université McGill dès 1989. En 2009, vous êtes nommé à la Cour d'appel du Québec. Vos contributions sont nombreuses, notamment sur les critères relatifs à l'autorisation d'une action collective en matière de divorce pour les femmes vulnérables et sur l'importance d'une compréhension des circonstances sociales et historiques dans l'application des peines. Je partage le sentiment de mon collègue, le ministre de la Justice du Canada, sur le caractère historique de ce protocole qui a mené à votre nomination. Pour les Québécoises et les Québécois, votre nomination revêt donc cette importance particulière aujourd'hui, car elle est la première à survenir en vertu du protocole d'entente concernant le processus de nomination, afin de pourvoir le poste laissé vacant à la Cour suprême, auquel j'ai eu l'immense fierté d'avoir contribué avec mon collègue. Ce protocole d'entente reconnaît la spécificité de la nation québécoise et celle de sa tradition juridique. Depuis longtemps, le Québec désirait participer de manière significative à la nomination des juges de la Cour suprême du Canada de façon à refléter ses statuts d'ordre de gouvernement et d'acteur constitutionnel dans la Fédération canadienne. Rappelons-le, 3 des 9 juges qui y siègent doivent être issus de la magistrature du barreau du Québec. Cette représentation du Québec est fondamentale, car elle vise à assurer que la Cour possède une expertise en droit civil, que les valeurs sociales du Québec soient représentées et que la confiance du Québec envers la Cour soit renforcée. En 2016, le Conseil privé a mis sur pied un comité consultatif indépendant pour procéder à l'évaluation des candidats au poste de juge à la Cour suprême. Finalement, après entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, la composition du comité consultatif visant à identifier les candidatures retenues pour un poste de juge du Québec a été ajustée afin de tenir compte de la tradition juridique de la province et de sa spécificité. Cette entente est en effet historique. À cet effet, je tiens également à souligner la fructueuse collaboration de nos partenaires fédéraux qui a permis de conclure rapidement un protocole d'entente à la suite de l'annonce de la recette anticipée du juge Gascon. Avec la formation du Comité Québec chargé d'identifier les meilleures candidatures pour combler le poste ainsi laissé vacant, nous avons ouvert la porte à ce que des représentants du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral, de même que des représentants de nos instances juridiques québécoises en partenariat égaux, aient voix au chapitre dans cette décision
si importante pour l'avenir de notre société. Nous en sommes très fiers. Nous sommes très fiers de votre nomination. Monsieur le juge Cazirère, au cours des prochaines années, vous aurez à trancher avec vos collègues plusieurs dossiers névralgiques qui concernent, entre autres, le maintien de l'équilibre fédératif, un élément fondamental et crucial pour le Québec. La tâche qui vous attend est imposante, je concède, mais je suis convaincue que vous aurez tous les atouts pour l'exercer avec respect, professionnalisme, intelligence et humanité. Je vous félicite, Monsieur le juge Cazirère, encore une fois pour votre nomination. Le Québec trouvera en vous un grand juge à la Cour suprême du Canada. Encore une fois, félicitations. Merci, Madame la Ministre. I would now ask Ms. Salmon, President of the Canadian Bar Association, to address the court. Merci. Monsieur le juge en chef du Canada, membre de la Cour, Madame la sous-ministre de la Justice du Canada, Madame la ministre de la Justice du Québec, Monsieur le bâtonnier du Québec, la famille, invités distingués. C'est tout un privilège pour moi de vous saluer chaleureusement au nom des 36 000 membres de l'Association du barreau canadien. Les gens rassemblés ici aujourd'hui sont tous des membres émérités dans le champ d'expertise. On y trouve des juristes réputés, des avocates et des avocats plaidants, ainsi que des juges et des universitaires. Vous rejoignez les rangs d'un groupe de personnes très respectées, possédant des compétences exceptionnelles. Il n'y a aucun doute que vos propres aptitudes se prêtent bien à vos nouvelles fonctions. Justice Cazirère sees beauty in the law, in the language of the Code Civil, in the elegance of well-written decisions, in the books in which the law is written. Former CBA President Bernard Amiot says Justice Cazirère is the epitome of a great Canadian, perfectly suited for the position. He's an outstanding lawyer in each of the two great modern legal traditions of the country, and he's also willing to learn about Indigenous law. Mr. Amiot has said that Justice Cazirère has a wonderful grip in reality, a much-needed quality for any successful judge. Mr. Amiot est certain que le juge Cazirère sera un excellent membre de la Cour suprême parce qu'il réunit la quintessence de toutes les qualités d'érudition, d'empathie, d'humour, et d'ouverture requises pour y accéder. Justice Cazirère brings to his work a sincere admiration for the strength of collegiality, a belief in the value of civil disagreement and of compromise, not to mention what a former colleague describes as an affinity for detail-oriented work, the kind that it takes to guide a law dictionary through numerous editions. The CBA believes in the importance of a fully bilingual Supreme Court, and Justice Cazirère certainly fits that bill. He is eloquent in both of Canada's official languages, and he enjoys comparing and contrasting the way the law is presented in each, studying the differences the language itself makes and the way the law is understood. He has written numerous articles on the intersection of law and translation, and he has a writer's ability to spin an intriguing concept into an insightful examination of ideas, as a glance at a list of his long list of publications shows. Le juge Cazirère a siégé à la Cour d'appel de Québec pendant 10 ans. Avant d'accéder à la magistrature, il était professeur directeur d'un institut de recherche et doyen à la faculté de droit de la Université McGill. Sa longue collaboration auprès d'une des universités admirables au Canada fait preuve de sa passion pour l'apprentissage et l'enseignement qui lui servira dans son nouveau rôle. Étant que professeur, Justice Cazirère a aussi pris le rôle de conseiller pour plusieurs élèves. Les auxiliaires juridiques qui travailleront bientôt à ses côtés auront l'occasion de bénéficier de son expertise étant que juge au cœur de professeur. The judges on his last court spoke highly of him and the influence he had on the court's decision, even when he wasn't the author. But when asked about his most significant contribution to the law to date, Justice Cazirère says it is yet to come, perhaps exhibiting some of the humility that he himself says is necessary to the judicial function.
The Canadian Bar Association is proud of the role it plays in helping to select members to sit on the country's highest courts. We are confident in the ability of this process to find supremely qualified candidates who will bring to the bench not just the qualities outlined in the job application, but something extra as well. And we're always happy to see a fellow CBA member succeed. Au nom de l'Association du Barreau canadien, je vous transmets, Monsieur le juge Cazareur, mes plus sincères félicitations et mes meilleurs vœux de réussite. Il ne fait aucun doute que notre système est entre de très bonnes mains. Merci. Thank you, Ms. Salmon. J'inviterai maintenant Maître Paul-Mathieu Grondin, bâtonnier du Barreau du Québec, à prendre la parole. Monsieur le très honorable juge en chef du Canada, Monsieur le juge Cazireur, distingués invités, merci de me donner l'occasion de parler au nom du Barreau du Québec en cette occasion si importante pour tous les Canadiens, en particulier pour tous les Québécois. Avant d'en arriver au sujet de la journée, soit l'honorable Cazireur, comme d'autres l'ont fait avant moi, permettez-moi de rendre hommage à un grand homme dont on officialise en quelque sorte la retraite aujourd'hui, Monsieur le juge Gascon. Tous ceux qui ont eu la chance de vous connaître savent votre sagesse et savent que vous êtes l'humilité incarnée. Vous nous manquerez pour votre grandeur d'âme et votre contribution extraordinairement importante à la magistrature. Je me permets aussi de saluer très haut et fort votre volonté à parler de santé mentale dans un milieu comme le nôtre. Si vous, qui avez atteint les sommets de notre profession, pouvez en avoir été atteint, personne n'en est à l'abri. Les tabous que vous acceptez de briser ne sont pas seulement les vôtres, mais sont ceux d'une profession tout entière. Je suis convaincu que la communauté juridique qui s'est présente se joint à moi pour vous dire merci. Nous sommes tous très, très tristes de vous voir quitter. Enfin, tous, sauf peut-être le juge Cazireur, qui n'est que très triste de vous voir quitter. Je ne répéterai pas tout ce qui a été dit de bien sur le juge Cazireur. Je le partage évidemment. J'aimerais par contre profiter de l'événement pour mettre en lumière un des éléments du processus de nomination des juges à la Cour suprême qui a attiré mon attention récemment, soit la question des statistiques. Donc, vous savez, nous, les Canadiens, sommes habitués aux statistiques au hockey, par exemple. Il n'y a pas grand-chose de plus canadien que le hockey, d'ailleurs, mais nous sommes un petit peu moins habitués à voir des statistiques sur les juges, et à ce sujet, il faut bien sûr en prendre et en laisser. Cela dit, voyez-vous, à cause de ce processus, nous pouvons en quelque sorte savoir ce que notre juge nommé a réussi durant sa carrière en termes de buts et de passes. Or, il se trouve que le juge Cazireur, en matière de justice, en matière de magistrature, est une sorte de champion en la matière. Alors, voici. Le juge Cazireur a rendu quelque 2000 décisions en 10 ans à la Cour d'appel. De ces 2000 décisions, 132 ont fait l'objet d'une permission, d'une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême. De ces 132 demandes d'autorisation, 15 ont été entendues. De ces 15 décisions, 10 ont confirmé la décision du juge Cazireur et seulement 3 ont été infirmées. Tout ça pose donc deux questions très évidentes. La première, c'est bien sûr, qu'est-il arrivé des deux autres décisions? Alors, je ne suis pas un comptable et je ne veux pas investir dans une expertise à ce sujet, mais à mon avis, 15 décisions, dont 10 confirmées et 3 infirmées, il en manque 2. Je ne suis pas au courant, malgré le progrès que la Cour suprême fait beaucoup récemment, je ne suis pas au courant de la possibilité de match nul à la Cour suprême. Alors, après notre petite enquête, nous constatons que les deux décisions, dont j'ai fait part, sont à ce jour pendantes devant la Cour suprême. Alors, M. Cazireur, je sais que la tentation peut être forte d'améliorer davantage vos statistiques, mais avant de vous impliquer dans ces décisions, si j'étais vous, j'aurais une petite conversation avec M. le juge en chef. La deuxième question, c'est bien sûr de savoir si ces statistiques sont un record. Nous avons très peu de moyens de le savoir. Cela dit, il y a quelque chose que nous savons avec certitude. Si c'est un record, le juge Cazireur ne peut que l'améliorer.
En effet, signe de son intelligence, le juge Kazirer a réussi le tour de force d'être nommé au seul endroit qui l'assure qu'aucune de ses décisions ne sera infirmée. Pardon. Alors, je me permets de, me joindre à tous, trêve de plaisanterie bien sûr, pour saluer haut et fort votre arrivée à la Cour suprême. Monsieur le juge Kazirer, vous avez été un modèle d'intégrité, de droiture, d'intelligence, de compassion et d'humanisme pendant toute votre carrière. Au nom du Barreau du Québec, de ses 28 000 membres et en mon nom personnel, je vous dis que nous avons été fiers de vous, nous sommes fiers de vous aujourd'hui et que nous vous appuierons, vous et la magistrature, pour les années à venir. Merci beaucoup. Merci, M. Bartanier. I would now ask Mr. Ross Earnshaw, President of the Federation of Law Societies of Canada, to address the court. Thank you, Chief Justice. Monsieur le Juge, Honorable Justices, members of the legal profession, and distinguished guests. On behalf of the Federation of Law Societies of Canada, the coordinating body of Canada's 14 law societies, I want to express our heartfelt congratulations to you and to your family as you take up the robes of a justice of the Supreme Court. C'est avec grand plaisir que je suis ici aujourd'hui pour vous offrir mes meilleurs voeux de succès au nom de la Fédération. It brings me great comfort knowing that all Canadians will benefit from your keen judgment, your calm temperament, and your passion for the law. One of the most striking features of your professional life is how central a role the use of language has played in it. A former law professor of yours described you admiringly as, quote, that rare breed of Renaissance legal scholar, unquote, and a man of letters, well-read in law and literature. You have been described to me as a wonderful and literary writer, parfaitement bilingue, as others have pointed out, and an exceptional translator, which is a rare skill in its own right. Of course, these talents do not predestine anyone to be appointed to this court. There must be other qualities, which I will address in a moment. After all, the world has plenty of literary and well-read people whose utterances can be irrelevant, pretentious, and overdone. Fortunately, in academia and as a judge, Justice Kassirer, you have always shown yourself to be the opposite of all that. Your peers have described you as, quote, an unassuming and humble person, someone unaffectedly modest and kind, unquote. According to one former colleague, you have always been self-effacing when most deserving of the accolades that should be going your way. You're known as someone who respects the views and opinions of others. In fact, you earned a reputation at McGill for being extremely generous with your time, always willing to engage meaningfully with your peers about their research and their writings. The current Dean of Law at McGill says that your advice is always carefully given, that you are particularly mindful not to offend. And at the same time, you have never shied away from debate. All of this to say, Justice Kassirer, you put your literary talents to good use. We should welcome this for several reasons. For starters, le droit est une institution linguistique. Comme l'a si bien dit une de vos anciens collègues à McGill, Rosalie Jukier, la Cour suprême parle quatre langues. Elle parle le français, l'anglais, la common law, et le droit civil. And so it follows that part of the court's job is to translate and mediate, not just between cultural languages, but between complex legal systems as well.
That is not an easy task when ruling on matters of national interest, matters that go to the very constitutional nature of this country. Fortunately, in you, Justice Kassirer, we have someone fluent in all four of those languages that I mentioned. More than that, you have shown to be passionately curious about all of them. I found it particularly interesting that in your questionnaire in the judicial appointment process, you reflected on how you approach the study of Quebec civil law, quote, as a vibrant legal tradition in Canada, relevant not just to that province, but potentially to the legal identity of the whole country, end quote. Bien sûr, on pense souvent à la Cour suprême du Canada comme étant le lieu de rencontre de nos traditions juridiques. Chacune de ces traditions juridiques a contribué à sa manière au développement de l'autre. Fittingly, for much of your professional life, you have also positioned yourself at the intersection of those two traditions. What's more, you are a specialist in comparative law, always open to a plurality of views. And judging by your past writings, you possess a deep historical sensibility about how this country was built and the essential role this court plays in sustaining a dialogue between our different legal traditions, including Indigenous law. Finally, a former professor of yours describes you as a, quote, superb educator, unquote. You understand how important it is, along with the other justices of this court, that the people of Canada understand our court system. As you have noted, judgments have to be communicative to citizens, lawmakers, civil servants, and to the broader legal profession. In this regard, your talent for storytelling and your ability to communicate complex legal issues to the public, I am sure, will serve you well on this court. So will your commitment to dialogue, your collegiality, and your skills at building consensus, all qualities your former colleagues say they admire about you and your work. Je suis convaincu que vous assumerez votre nouvelle fonction avec la passion, l'intelligence et l'humilité qui ont caractérisé votre parcours professionnel jusqu'à maintenant et qui serviront dans l'intérêt de cette cour et de notre pays. Monsieur le juge Kassirer, on behalf of those I represent and for my own part, I wish you every success in this new phase of your extraordinary career. Merci. Thank you, Mr. Earnshaw. I will now ask Mr. Scott Maidment, President of the Advocate Society, to address the court. Juge en chef, this is one of the rare occasions in which I can appear before a court sure in the knowledge that my case will not fall apart under questioning. Juge en chef, justices, distinguished guests, family and friends of Justice Kassirer, Justice Kassirer, au nom de la Société des plaideurs, j'ai l'immense privilège de pouvoir vous transmettre quelques mots de bienvenue à l'occasion de cette cérémonie d'accueil officielle à la Cour suprême du Canada. I don't know, Justice Kassirer, when you first entered this great building. Possibly you came here as a schoolboy on a tour, or possibly it was when you first clerked for Justice Betts. I will venture, though, that when you did walk in these halls for the first time, it was with some measure of reverence and awe. I know that it was that way for me. No advocate who walks through those doors for the first time, no citizen, can fail to be touched by the majesty of this place. No visitor can escape the impression that those who created it expected
that in this place great work would be done. The architect Mies van der Rohe said that architecture is the will of an epic translated into space. Few of us who come here now ever met the architect of this courthouse, Ernest Cormier, or the stonemasons and woodcarvers who practiced their craft here for our delight. Yet the place they erected is itself a reminder of the community's faith in us. It tells us we are expected and we are trusted to do our utmost here in the cause of justice. We are humble creatures, and yet the walls call forth our every virtue. I mention this work of architecture, Justice Cassirer, because it seems to me that the work you must do here, your charge publique, is not so very different from the work of an architect in its essential elements. Vitruvius wrote over 2,000 years ago that a great work of architecture has three essential features. It is useful, it is strong, and it delights the beholder. All of these features, I suggest, are present in every fine juridical work. A building must be useful. It must protect us from the elements, and it must be fitted to its purpose. And so it is that fine judgments have practical utility. They resolve the instant case, and they are useful in resolving similar cases that follow. And a building must be strong. It must be constructed to withstand the forces that bear upon it. And so it is that fine judgments derive their legitimacy from principle and precedent and from the force of their internal logic. And a building must delight the beholder. That is to say, it ought to move us to some feeling. So it is that a fine juridical work creates in us a more profound set of feelings than a well-drafted contract. It does so when it illuminates for us what our just relations with one another in our present way of life. When it lights a new pathway to the relief of human suffering, when it helps us understand that it is for each of our own sakes that the collective will of the majority must sometimes bend to the interests of the few. And like a great work of architecture, a judgment of this court can express the will of an epic. In our system of justice, such cases are rare. They fall within a narrow compass. And within that narrow compass comes the call for judicial imagination and boldness, what you have so aptly termed, Justice Cassirer, the call to courage. A century ago, in his series of lectures on the nature of the judicial process, Benjamin Cardozo gave solace to every judge who must answer that call. Cardozo confessed that in his first years on the bench, he was much troubled in spirit to find, as he put it, how trackless was the ocean on which I had embarked. And he offered to every judge these words of encouragement. He said, "As the years have gone by, and as I have reflected more and more upon the nature of the judicial process, I have become reconciled to the uncertainty, because I have grown to see it as inevitable. I have grown to see that the process in its highest reaches is not discovery, but creation, and that the doubts and misgivings, the hopes and fears, are part of the travail of the mind, the pangs of death and the pangs of birth, in which principles that have served their day expire and new principles are born." You and your colleagues will leave this building to sit elsewhere soon, while this place is restored to its former glory. But your early work on Justice Cardozo's trackless ocean will be done in this place. Architecture has a profound influence upon human character and action. Churchill said, "We make our buildings, and then they make us." They regulate the course of our lives.
And so it will be, Justice Kasserer, with your own work. Here, together with your colleagues, you will make your judgments, and afterwards, they will make us. They will mark the contours of the world in which we will live as Canadians. We have faith that your judgments will possess those virtues that Vitruvius ascribed to great architecture, that they will be useful, that they will be strong, and that in their justice, they will delight the beholder. And when that, and so, Justice Kasserer, as you embark upon that trackless ocean, we wish you bon voyage. And when that ocean seems most forbidding, pause to look about you at this mighty human act of faith and allow its grandeur to remind you that your country has full confidence that you will reach that beckoning shore that we call justice. Thank you, Mr. Maidment. Et maintenant, Monsieur le juge Kasserer, mon cher Nicolas, la parole est à vous. Jean-Chef, dear colleagues of this court, past and present, family and friends, distingués invités, je tiens d'emblée à remercier les collègues ô combien généreux qui ont bien voulu prendre la parole devant la Cour ce matin. Je suis très sensible à la présence des bâtonniers, des présidents des associations d'avocats venus du Québec et d'ailleurs pour l'occasion. Il est usuel pour la personne ainsi honorée de mettre les compliments qu'on lui adresse sur le compte de l'amitié, rappelant ce que tout le monde sait, que ce genre de témoignage est, par sa nature même, coloré par une exagération de bon aloi qui convient aux circonstances. Je me dis donc que les quelques excès qui ont marqué les prestations vos prestations respectives s'expliquent en partie par l'émotion que vous devez sentir à plaider devant la Cour suprême dans ce cadre particulier. You certainly succeeded in making me blush, and while I'm mindful of my lack of experience in measuring the effectiveness of Supreme Court advocacy, I found you pretty convincing. Thank you so very much. Je salue respectueusement nos deux ministres de la Justice qui se donnent le mal de venir ce matin. Et je vous remercie bien sincèrement tous les deux pour cette attention particulière. Quant à la portée juridique de votre apparente convergence de vues, cher ministre, je m'abstiens soigneusement de tout commentaire. Sauf peut-être pour vous dire que je crois flairer un brin d'inquiétude chez mes nouveaux collègues. Si la tendance se maintient, si le Québec et le fédéral persistent à s'entendre devant la Cour suprême, que feront nos juges de la rue Wellington pour occuper leur moment de loisir? Merci, Monsieur le juge en chef, mon cher Richard, pour vos bons mots. On sait que ce n'est pas un signe de force de caractère pour un jeune juge de se montrer trop complaisant devant son nouveau chef. Mais tout de même, je vous trouve excellent. Perhaps one small detail, Chief. It was most kind of you not to remind our friends gathered here that it was the 47th time that I asked Jane the question that you so elegantly alluded to. I might add that, inspired in part by Mr. Maidment's pleading, that if I did so on the steps of the Supreme Court, it was not just in the hopes that the setting, Cormier, Veritas, Justitia, would impress upon Jane the solemnity of the moment. I wanted rather more to ensure that if I obtained judgment in my favor, there would be no avenue of appeal from her decision. Chief Justice, dear colleagues, thank you for the kind welcome you've extended to me over the past weeks and for encouraging me to give myself over to this happy occasion, which I confess is more than a little shy-making. In point of fact, when I look out at the friendly faces gathered here this morning, my shyness takes a back seat to a real feeling of gratitude that family, friends, and colleagues are present, and to my sense of a very deep and substantial debt that I owe each of you, individually and collectively. En effet, si la vie du droit
connaît un événement analogue à la cérémonie de ce matin. C'est à une assemblée de créanciers que l'on pense, où le bilan de l'endettement du futur failli le menace de déconfiture. Je me présente devant vous, vous titulaire de diverses créances, un homme redevable et, dans un sens, un pauvre type criblé de dettes. Mais voyant le commissaire à la magistrature fédérale et son équipe au fond de la salle, je m'empresse de vous rassurer que ces dettes ne remettent pas en cause, du moins directement, ma solvabilité, ce qui pourrait, on le sait, compromettre l'indépendance du juge nouvellement nommé. En même temps, en vous regardant, créanciers réunis, je me rends à l'évidence que mes devoirs envers vous sont plus solides, plus contraignants et plus juridiques que de simples obligations morales ou des dettes d'honneur. Comment qualifier et surtout comment les reconnaître dans cette enceinte très judiciaire, ces dettes qui dépassent ce que Potier appelle le fort de la conscience? Le bon droit civil québécois vient à notre rescousse. C'est l'obligation naturelle qui fera l'objet de ma reconnaissance in facie curiae ce matin, ces devoirs montant à la vie juridique, comme on l'enseigne, qui ne sont pas tout à fait des dettes civiles susceptibles de sanctions étatiques, mais tout de même sont plus contraignantes que de simples dettes d'honneur. L'obligation naturelle de droit civil, le paiement de la dette prescrite, l'obligation alimentaire entre sœurs et frères, l'exécution du legs verbal par les héritiers, repose sur l'existence de ce que le doyen Carbonnier appelle un sentiment de l'obligatoire, un feeling juridique semblable à ce que je ressens envers chacun d'entre vous ce matin. Je voudrais commencer avec un mot d'appréciation pour ce créancier privilégié, le juge Clément Gascon, qui a servi le Canada avec distinction comme membre de cette Cour depuis sa nomination en 2014. Dans le langage administratif du greffe de la Cour suprême, je suis désigné à l'occasion comme Gascon remplaçant. Et à chaque fois que j'entends cette expression, je me sens quelque peu grandi. Monsieur Gascon ne se remplace pas, bien entendu. Mais je tiens à dire que la carrière exemplaire de Clément, marquée par ses qualités de rigueur, de curiosité intellectuelle et de grandeur d'âme, je prends le mot du bâtonnier, est un modèle pour moi et, je crois, pour nous tous à la magistrature. This morning's colleagues have alluded to the highlights of his career at the bar, as a trial judge and as a thoughtful judge on appeal. I would add some personal footnotes. I was a law professor when Clément was appointed to the Superior Court in 2002. Even if he found himself outside his usual fields of expertise, Clément showed an unexpected interest and talent for family law. I remember using one of his superbly balanced judgments on child custody to teach the venerable principle of the best interest of the child in my first year family law course at McGill. And there are things colleagues outside of Quebec know less about him that are worthy of mention. When he arrived at McGill in 1978, fresh from Collège Jean de Brébeuf, he was the youngest member of his entering class in law, alongside some others with master's degrees and doctorates, nearly twice his age. That he was a beloved teacher in various Montreal universities over the years, including his alma mater, where, and I have reason to know, his teaching evaluations were off the charts. Que tout au long de sa carrière, il s'est consacré discrètement à la formation des juges, à partir du principe cousin de l'obligation naturelle de la réciprocité du don. Une passion pour l'enseignement de ses pairs qu'il partage avec sa conjointe et complice de tous les instants, l'honorable Marie-Michèle Lavigne, elle-même une juge hautement respectée. Nous avons tous des jugements préférés signés par ce grand gentleman du droit. Je relève un thème fort et récurrent de compassion pour le justiciable dans mon palmarès gascon. Je pense notamment à un jugement qui fait école en matière de quérulence en cour supérieure. Une décision finement écrite sur une mise en liberté rendue par Clément comme juge unique de la Cour d'appel. Et à une de ses dissidences, trop peu remarquée, livrée en Cour suprême et portant sur les pratiques discriminatoires
en lien avec la dépendance aux stupéfiants. Tous les juristes du pays se sentent, comme moi, endettés envers Clément Gascon, et si notre obligation n'a peut-être rien de patrimonial, je vous propose néanmoins l'exécution volontaire et collective de cette obligation naturelle par une robuste reconnaissance de notre dette envers lui. I beg your indulgence, Chief Justice, to say a word or two about the natural obligations owed to my three principal creditors gathered at the meeting assembled today. First, my family and friends. Second, the university. And finally, the judges past and present of the Quebec Court of Appeal. Family first, for which the performance of natural obligations is not so much a constraint on freedom, like most legal obligations in the liberal tradition, but is best seen as a pointing to a path to a more perfect life. As one great French law professor once wrote, la famille heureuse ne connaît pas de droit. In the midst of the welcome pomp and circumstance of this morning, I'm inclined to think that the party is being thrown for the wrong person. For all the time Jane Mappin, my partner of nearly 40 years, has spent on stage, she is one of Canada's foremost modern dancers and choreographers. Jane has been shy to take credit publicly for her own successes, let alone for those of her children and me, for which she is the principal artisan. Jane is a highly accomplished artist. Just a month ago, she choreographed and danced at La Place des Arts to wide acclaim. And as I have said before, her work is a constant reminder that art is life's highest calling. Jane is the heart and strength of our life as a family, and each of us recognize that good things generally happen to Mappin Cassirers because of her. Our three children, Benjamin, Antonia, and Olivia, watching bemused, a little skeptical, I hope, but happy over on the far wall. I'm so proud and grateful that you are here today. A world-class fencer, Benjamin is in his final year of medical school at McGill, and after a riotously happy time as a student in the United States and England, he is showing the taste and instinct for a career in academic medicine. An art historian, Antonia has just finished with high honors and having won over yet another group of devoted friends, a graduate degree in women's studies at New College, Oxford, where she has explored her love for the theater, both as an actor and a director. Our youngest daughter, Olivia, an engaged feminist, athlete, advocate for social justice, is also at Oxford University, where she leaves no stone unturned as an undergraduate student of modern languages and literature. Dear colleagues, please excuse these poorly contained enthusiasms of a proud parent. Our children are at the center of our lives. Two of my sisters, Catherine and Anna, are here to represent their own families, and our sister Madeline. I would invite one or another of the learned law professors present here today to explain to them the natural obligation that binds their brother to his sisters, notwithstanding the silence of the civil code. To them, and through them to our late parents, I cheerfully acknowledge, here in open court, a great juridical and extra-juridical debt. I salute two dear members of Jane's family, Charles and Rob, who have come a long way to be here today, and recall that famous saying, behind every newly appointed judge stands a surprised brother-in-law. I observe as well with gratitude that some of my oldest friends are here, several friendships dating back over 50 years, and make special mention of my favorite Parisian couple, who have come all the way from the 10th arrondissement to see me dressed in red, which, let's face it, colleagues, is not a color that flatters the figure. The law is generally hopeless at recognizing these bonds of friendship, the enduring affection the philosophers call agape, as the source of a legal duty. But I sense most powerfully today what I think
might be a natural obligation owed to these old friends. Thank you all for being here. Permettez-moi de reconnaître comme vieux professeur de droit une première dette professionnelle, encore une qui dépasse la dette d'honneur qui est due à l'université. À la suite d'une carrière courte et plutôt sans distinction comme avocat, j'ai accepté l'offre miraculeuse et inopinée du doyen Roderick MacDonald de me joindre au corps professoral de l'Université McGill en 1989. It was a happy and lucky day for me, and I will never forget the late Rod MacDonald for the chance he took in asking me to join the ancient Faculty of Law at McGill and for the care and intelligence with which he helped me learn all of those things that came to him so naturally. Mes intérêts pour le Québec et un profond attachement au droit d'ici m'ont amené assez rapidement à développer des liens avec des professeurs dans toutes les universités de la province. Je voudrais ce matin reconnaître combien ces rapports ont enrichi ma vie, combien je suis redevable à tous les professeurs de droit au Québec, d'aujourd'hui et d'hier, pour les multiples apports à mon parcours professionnel. Le juge Jean Betz, autrefois oui de cette cour et à qui je pense beaucoup ce matin, l'a si bien dit une fois dans cette même salle. L'enseignement est une vocation qu'on pense choisir sans retour et que l'on ne peut quitter sans regret. Professeur réuni ici, je suis tout naturellement encore votre débiteur. Il y a des représentants de chacune des facultés québécoises ici ce matin, UQAM, Sherbrooke, Ottawa, Laval, Montréal et McGill, dignes mandataires aux fins de l'exécution de mes obligations naturelles. Je vous prie de transmettre toute ma gratitude et toute mon affection à l'ensemble de vos collègues. The debt I owe to McGill University, as a former student, as a teacher, and for a spell as a university officer, defies proper description. If I could, I would take every McGill professor, every member of the administrative staff, every McGill student, and every graduate by the hand this morning to express my most sincere thanks for the ride of a lifetime. The intellectual values that are those of the Faculty of Law at McGill, cultural pluralism for law and the celebration of difference, bilingualism and polygerality, imagination in law, have not just shaped my view of the discipline, but have provided me with a frame of reference that I invoke to try and understand the world. The dignity and burden of McGill's great history are not just the stuff of legal legend, but the source of unbridled confidence for a law graduate and law professor. Imagine studying or teaching in a place that has greeted Laurier, Walton, Mignot, Jacobs, Lafleur, Marler, Heaney, Annie MacDonald Langstaff, as well as, in recent times, Justices Ledaigne, Gontier, Deschamps, Fish, Gascon, and Martin of this court. Imagine having the privilege to teach from the lectern from which Percy Corbett, John Humphrey, F.R. Scott, Max Cohen, John Durnford, and John Brierley all taught. My debt is made meaningful today when I look out and see two of my former law teachers here, who years ago accepted me without a blink when I arrived as a young professor. When I note the presence among us of so many distinguished graduates of the faculty, including two special members of the fabled class of 1958, which was so good to me when I was dean and thereafter. When I contemplate the happiness that I had working alongside some of the fine law teachers who have skipped class today, transsystemically speaking, to be with us. Allow me to record my abiding debt to the late Paul-André Crépeau, who, in making room for me in his various research projects at the center that now bears his name, helped me find my scholarly voice at McGill. J'ajouterai quelques mots bien sentis au sujet de cet autre collégium, celui de la Cour d'appel du Québec, pour remercier tous ces juges pour leur bonté envers moi depuis maintenant plus de 10 ans. On sait que ma nomination en parachute à la Cour comportait quelque chose d'étonnant, sinon de miraculeux, en 2009. On dirait que j'étais nommé à Notre-Dame de Lourdes et non à la rue Notre-Dame du Vieux-Montréal. Néanmoins,
tous et toutes m'ont accepté, malgré l'absence de galons sur mes manches, sans fléchir. Je remercie le juge en chef de l'époque, Michel Robert, pour sa conception d'une cour d'appel en mosaïque, composée à la fois d'avocats expérimentés, de juges accomplis de nos deux grandes cours d'instance au Québec et de quelques professeurs d'université, ce qui laissait un petit coin pour moi dans le West Wing de l'édifice Cormier. Je remercie aussi la chef actuelle, Nicole Duval-Esler, et me permet de dire l'honneur qui était le mien de servir sous les ordres de la première femme juge en chef du Québec ces dernières années. Il n'est pas facile, en ces quelques mots, de détailler l'étendue de ma dette, personnelle et professionnelle, envers les juges de la Cour d'appel. Par mille et un petits gestes généreux, les collègues m'ont appris le métier. Ils m'ont dorloté à mes débuts, aidé à comprendre l'épreuve du délibéré, les affres de la tâche du juge unique. En somme, ils m'ont fait voir comment composer avec l'adaptation que j'avais à faire, qui demandait, et c'est fondamental, un changement dans la façon dont je devais penser le droit, passant de la voie spéculative du professeur au registre décisionnel du juge. Pendant 10 ans, j'ai profité des bons conseils de mes collègues juges du West Wing, du East Wing et des sages peuplant le convivial salon des juges à Québec. Des conseils toujours offerts en pure libéralité et sans prétention aucune. La gratitude du donataire, particulièrement aiguë en l'occurrence, peut, me semble-t-il, fonder une obligation naturelle que je ressens très fortement ce matin. Merci aux doyens successifs et autres sous-ministres de la Cour. Merci aux anciens juges d'instance, dont les femmes juges, de me faire revoir les domaines de droit que je pensais, à tort souvent, connaître un peu. Merci aux professeurs émérites de la Cour, qui font souvent disparaître la ligne fragile entre doctrine et jurisprudence, source du droit. Merci aux quelques Glanville Williams sur les couloirs de la Cour pour des leçons particulières en droit criminel et pour beaucoup plus. Merci à tous les juges de Québec pour m'avoir fait comprendre que le droit québécois peut mettre en valeur ses couleurs régionales sans troubler l'uniformité ou la qualité de la justice rendue. Comme il se doit, la courtoisie entre juges, conjuguée au principe de la main tendue et de l'écoute active, domine le quotidien de la vie judiciaire intense à la Cour d'appel. Mais avec le temps, j'ai appris de mes pairs que ces usages fondés sur le respect du prochain ne sont pas seulement le reflet de bonnes manières destinées à faciliter un vivre ensemble. La collégialité en appel est bien plus une norme de gouvernance pour cette Cour, surchargée comme elle est de responsabilités et composée de gens de tous les horizons. Sans taire les différences légitimes dans les points de vue, elle permet à la Cour d'appel de dispenser une justice efficace et respectueuse, de formuler une jurisprudence cohérente et d'offrir à 3 collègues en formation la possibilité, dans un seul dossier, de dire le droit pour tout le Québec, conforme aux grands principes de la « rule of law ». Le secret de son grand succès, j'estime que la Cour d'appel vit une de ces périodes fortes de son histoire et qu'il y a un consensus autour de l'importance de l'idée fondatrice d'une Cour délibérative qu'il faut, avant toute chose, aimer ses collègues. Pour cela, et pour beaucoup plus, vous comprendrez que mes dettes s'accumulent sur 10 ans et le fort intérieur ne semble pas connaître un régime de prescription. Je suis redevable à la Cour d'appel de m'avoir appris c'est quoi être un juge. Pour terminer, Monsieur le juge en chef, je reviens sur l'image civiliste de l'obligation naturelle qui, je pense bien, tient bon comme forme symbolique pour me permettre d'exprimer, sans doute de façon trop pudique, mes sentiments de reconnaissance envers les collègues et amis réunis ici. On sait qu'une des figures classiquement évoquées pour l'obligation naturelle est celle de la dette du jeu. La dette qui échappe à l'exécution devant les tribunaux en raison de son objet douteux, mais qui, une fois acquittée par le malheureux débiteur, ne peut être répétée. Conscient que ma nomination à cette cour tient en bonne partie
du 649 judiciaire. Et en vous assurant, monsieur le juge en chef, que le jeu n'est pas encore inscrit dans ma liste de défauts, il me semble que cet exemple de l'obligation naturelle n'est pas sans pertinence dans mon cas. Et sur cette idée de ma bonne fortune et du rôle des aléas de la vie dans ma nomination, je clôt ce mot déjà trop long en remerciant le juge en chef du Canada et mes nouveaux collègues, ainsi que le personnel de la Cour et de mon cabinet pour cet événement si mémorable. Thank you, Justice Cassirer. Merci beaucoup, mon cher Nicolas. We are grateful for your heartfelt remarks. And thank you all of you, for being with us on this special day. Vous êtes maintenant conviés à la réception que nous tiendrons dans le hall d'honneur de la Cour en l'honneur du juge Cassirer. La séance est maintenant levée. La Cour reprendra ses travaux mercredi matin à 9h30. À bientôt.